un petit tartare sur un lit de carpaccio. Là, tu lâches bien fait, hein. Oui, bien fait. Quand même qu'il reste des petits morceaux dedans, hein. Pas trop empâté non plus, hein. Qu'est-ce que tu veux dans ta recette? Eh bien, voilà. Alors, on va mettre un petit peu de persil haché, ça fait fin, un petit peu de citron, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. De préférence, de la fleur de sel si on a, sinon un peu de sel fin. On met tout ça dans un petit saladier. Le jus de citron. On écrase un peu le citron pour faire sortir le jus. On enlève les pépins de préférence. Voilà, on retire les deux petits pépins, le sel, voilà, si vous aimez, vous pouvez rajouter un petit peu d'échalote. Alors ça c'est la recette, hein. Ça c'est la recette du chef. Un petit tartare sur un lit de carpaccio. Toujours de la bonite. Toujours de la bonite. Non, mais comme vous me dites là, monsieur, de la pélamide. C'est pas pareil. Ce n'est pas du tout pareil. La pélamide, c'est la famille, c'est la même famille que le thon blanc. C'est très doux. À l'inverse de la bonite qui est amère et pleine de sang. Il joue le citron sur le tartare, sur le carpaccio. Et voilà. Mais il faut faire cuire 8 heures. Il ne faut pas faire cuire du tout. On le laisse au frigo pendant 2 heures. Et on se met à table. On peut le manger de suite. Hein. Comme boisson, toujours du vin blanc. Voilà. Ou alors, si vous aimez, si vous préférez, si vous... un petit peu plus, vous mettez une petite bouteille de champagne frais.